Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le principe de fonctionnement du groupe CO2-transcritique de Panasonic. Son compresseur rotatif inverter biétagé développe une puissance frigorifique de 4 kW en froid positif et de 2 kW en froid négatif. La technologie de l'unité lui permet de fonctionner sous des températures ambiantes de 43 degrés. Pour cela, il est équipé de deux détendeurs. On retrouve également deux électrovannes, un échangeur coaxial tubulaire pour assurer le sous-refroidissement et une bouteille de stockage pour le fluide frigorigène. Le ventilateur du gaz cooler est également équipé d'une vitesse variable. Je vous propose à présent de réaliser un schéma de principe pour comprendre le fonctionnement de l'unité. Le fluide frigorigène en sortie de chambre froide est comprimé une première fois dans l'étage basse pression du compresseur. Les vapeurs sont ensuite désurchauffées par un échangeur à air, puis recomprimées dans l'étage haute pression du même compresseur. Le fluide est ensuite désurchauffé dans le gaz cooler, puis il passe dans le sous-refroidisseur, et c'est là qu'il passe de l'état supercritique à l'état liquide. Il est ensuite envoyé dans la ligne liquide vers le détendeur électronique de la chambre froide. L'installation CO2-transcritique de Panasonic est capable de fonctionner avec une température extérieure de 43 degrés. Pour cela, on retrouve sur l'installation un réservoir qui permet d'ajuster la charge de réfrigérant en fonction des différents modes. En effet, lorsque le CO2 est à l'état supercritique, sa masse volumique étant différente, il faut pouvoir contenir cette variation de charge dans ce réservoir. Regardons maintenant le tableau de données de performance du constructeur. On retrouve la puissance frigorifique ainsi que le COP en froid positif et en froid négatif pour une température extérieure de 25 à 43 degrés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la mise en service et la régulation du groupe CO2 de Panasonic.